On fait pas ce métier pour finir comme ça. C'est important de le... d'en être convaincu. Je voulais simplement en fait avoir surtout une pensée pour sa femme Isabelle, ses deux enfants. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait Jacques, il est décédé en faisant son boulot. Et c'était quoi son boulot? C'était le fait de d'appliquer une décision de justice, comme on le fait effectivement tous dans nos services, comme bien d'entre vous le fait aussi. Il est parti en faisant ce travail-là, et en l'occurrence, ce que lui demandait effectivement cette ordonnance, c'était de pouvoir mettre en lien une petite fille de 4 ans aussi avec son père. C'est ça la réalité. C'est pour ça que Jacques, il est décédé. Voilà. Il faut penser aussi à tous les collègues qu'il a su protéger, à la mère de famille aussi qu'il a su protéger. Bien évidemment, ça nous interroge tous à tous les niveaux, mais aujourd'hui, c'est pas le lieu d'avoir aujourd'hui cet échange-là. Aujourd'hui, on est là pour se recueillir pour lui et penser à lui, aux siens, à nous tous. Et vraiment, ça nous touche beaucoup que vous soyez tous présents, vraiment. Je voulais simplement dire une dernière chose, enfin, sans mauvais jeu de mots, parce que c'était Jacques, effectivement, qui était là, mais ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. C'est important que vous soyez vraiment convaincus de cette idée-là. Ça aurait été un autre service, ça aurait peut-être été effectivement un autre collègue. C'est vraiment important, et c'est vraiment sans mauvais jeu de mots. En fait, nous sommes tous Jacques aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de vous dire.